Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les deux équipes sont quasiment prêtes et les arbitres sont en train d'effectuer les dernières vérifications d'usage. Autant dire que le coup d'envoi est imminent. La météo est un peu capricieuse aujourd'hui, il faut le préciser. Espérons qu'on assiste quand même à un déluge de buts. En attendant, on a beaucoup parlé météo, ne parlons maintenant plus que de ballon. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. C'est la première titularisation pour ce joueur arrivé en prêt. Ce sera forcément intéressant de le suivre. Et oui, bien sûr. Et on commence déjà à se demander si le club lèvera son option d'achat. Et attendons de voir ce qu'il peut apporter à son équipe d'abord. On part donc sur trois joueurs devant. Darren, votre analyse? Dans ce système, beaucoup repose sur le milieu de terrain. Avec des attaquants excentrés, on peut écarter davantage le jeu. Mais l'inconvénient, c'est que les milieux ont plus de terrain à couvrir. En plus, ils doivent régulièrement couvrir les montées des latéraux. Il faut donc être attentif et avoir un sacré coffre. Et on rentre dans le vif du sujet. Sensi. Calabria. Manchester qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Il ne se pose pas de questions. Sensi. Paolo Dybala. Marco Verratti. Sensi. Calabria qui cherche à construire. Immobilier. Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Kiko. Emerson. Compagnie. Calabria. Compagnie. Avec Dybala. Elle a trébuché sur cette intervention. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en direct. Sensi, ce sera un coup franc. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il est servi. Il relance côté droit. Pour trouver la faille dans la défense. Watford qui... C'est une occasion ça. Voilà l'ouverture du score. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. Roberto Pereira, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. On est reparti. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Marco Verratti. Il est bien placé. Ah, beaucoup de relais. Oh, il bute ! Le but ! La frappe enroulée, elle finit au fond. Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. Ah, ça, c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but. Et hop, ils se font remonter. Watford est tout simplement la pire défense du championnat. C'est triste à dire.
Il file dans l'axe. C'est bien ce qu'il fait là. La tentative! Oh, la tête! Oh, pas de chance sur ce coup! Ça joue à gauche. Roberto Pereira. Il cherche la profondeur dans le dos de la défense. Oh, c'est chaud! Oh, quel geste! Attention au centre. Capou. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Immobilé! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Oh, la frappe! La défense était battue, le timing était parfait. Et la touche maintenant. Capou, le jeu repart vers la droite. C'est joué long, attention. Bien tenté. Bah, il peut choisir de centrer. La tête! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Watford profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Calabria. Qui a de la liberté. Dybala, à droite. Il glisse le ballon en profondeur. Ce ballon devant. Allez, la tête! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. Joue dans l'espace. La passe dans la profondeur. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Chaloba. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. Ce groupe a vraiment un esprit d'équipe remarquable. On l'a bien vu d'ailleurs en première mi-temps. C'est le fighting spirit qui permet à cette équipe de revenir dans le match. Un but partout, on en reste là pour le moment. De la seconde période. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Il joue dans l'espace. Certi. Calabria.
Jenson Martins. Il glisse le ballon en profondeur. La passe est précise. Quelle inspiration! Avec Calabria. Dans la boîte. Un peu d'oxygène pour sa défense. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il prend sa chance. Il centre, un autre tir. C'est dedans. Le jeu vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal! Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils ont réussi à renverser la situation. Mais il va être sanctionné. Watford qui a peut-être perdu son dernier match à cause de la tactique mise en place. Oui, bah comme on dit, la critique est aisée. Mais l'art est difficile. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté des choses nouvelles non plus. Ça manque de soutien. Quelle frappe! Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Il tente de la jouer dans l'espace. Kiko qui récupère ce ballon. Oh, le bon ballon! Chaloba. Il a du champ sur le côté. Et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Celle-ci. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est joué long, attention. Hors-jeu, dommage. Oui, il y a hors-jeu, quel dommage. Il y avait un superbe coup à jouer là. Compagnie. Avec celle-ci. Il est servi, il frappe. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Coutronné qui subit un marquage très serré. C'est logique vu ce qu'il leur a déjà fait. Chat échaudé craint l'eau froide, comme vous dites. Compagnie. Non, il n'a pas joué le ballon là. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Compagnie. Marco Verratti. Sensi. Encore un changement possible. Ils attendent sans doute le bon moment. Superbe tacle. Énorme occasion. Et le cadre se dérobe largement. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Qui choisit le côté gauche.
José Olebas. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Mais il était bien présent. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Emerson. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Un ballon intéressant, dans la profondeur, bien vu. C'est bien donné. Va-t-il en profondeur? Il prend sa chance! Ils étaient tout près de revenir au score. Ça aurait pu être un moment clé du match, ils ont vraiment besoin de ce but. Capou. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Il était quand même pas mal ce tacle. Oh, bon tacle. Il glisse le ballon en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, l'intervention magnifique! Ils auraient pu tuer le match, là. C'est grâce au gardien que son équipe est toujours en vie. Bien joué. Le long dégagement du gardien. Quel timing dans l'interception. Ce ballon bien dosé. Un grand dégagement le plus loin possible. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Oui, il était fini, crevé, carbone, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Il a centré. Et la tête! Oh, quel bel arrêt! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Ça, c'est une interception parfaite. Pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long, attention. Ils l'attendent! Quel but! Ils ont pris des risques, ils sont récompensés, que c'est beau! Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. On est dans le temps additionnel du temps additionnel. Doucouré. Kiko. Il allonge. Quelle fait du bien cette interception. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Et personne n'aura réussi à prendre l'avantage. Aujourd'hui, c'était un match intéressant, mais à l'arrivée, un match nul. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. Au revoir à tous et à bientôt. Merci Darren pour votre expertise. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.